Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Non, moi ça va pas, donc c'est pour ça que je viens vous parler. Alors je sais pas pourquoi l'image est trouble. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas le régler. De toute façon, ça serait du blabla. Aujourd'hui, vous comptiez, même hier, sur une vidéo pour la fin de l'histoire. Je n'en ai pas le courage parce que j'ai des problèmes de santé et ça me prend la tête. Problème de santé, gros problème financier dû au fait qu'il y a des choses à payer en plus qui ne sont pas pris en charge, enfin qui ne sont pas très bien pris en charge par rapport à ce que j'ai déjà. Donc je suis très troublé et très angoissé. Donc simplement vous dire, voilà. Bon, j'ai un petit problème, enfin j'ai un problème au sein droit. On m'a fait une biopsie, donc c'est-à-dire qu'on m'a juste fait une ponction pour prendre un petit morceau de la, pas de la tumeur, on va dire la tumeur, on ne sait pas, du nodule. Nodule et qui est transmis au laboratoire. C'est long, ça a été fait lundi, il faut que j'attende vendredi après-midi pour avoir le résultat. Avant, si découvre quelque chose de très grave, voilà. Alors je suis très angoissée, maman et ma tante ayant eu un cancer du sein. Plus vieille que moi, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a un terrain inquiétant. Voilà. Donc comprenez que je suis dans la merde, angoissée, fatiguée, stressée. Et ras-le-bol que jamais cette putain de série ne s'arrête. Désolé pour les gros mots, mais là je trouve que ces mots-là. Voilà. Bon, je suis pas encore morte. J'en ai vu d'autres. Alors, je me suis pas maquillée, j'ai juste mis un peu de rouge à lèvres, sur mes lèvres, mes joues, que j'ai laissé tomber avec un pinceau, pour avoir l'air moins cadavérique, j'y arrivais, que je ne suis. Et en plus, ça me mine. Ça me mine. Tout me mine. Bon, ça, t'as pas de sous, tu peux pas te faire soigner correctement? Ah oui, moi j'ai pas d'accès, non j'ai pas droit, moi je suis trop, vous savez, toutes ces merdes qui font que les gens quand même qui s'allèrent s'en sortent pas. Bon, je suis pas là pour les argent, mais ça bouffe la vie aussi. Bon, je vous dis, voilà, c'est tout, ce que j'avais à vous dire. Donc comprenez que les vidéos ne seront peut-être pas régulières tant que j'aurai pas repris un peu de morale, hein. Hier, j'ai pas eu le courage d'en faire. Aujourd'hui, je devais vous lire l'histoire, mais j'ai pas du tout envie de lire l'histoire à haute voix. J'ai envie de rien. Si, à part foutre le camp, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je ne fais regarder que des vidéos de voyage. Je ne fais que regarder des vidéos de voyage. Bref, voilà. Ah, puis c'est trop, c'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça, feutré, là? Attends, j'ai baissé le rideau parce qu'il y a énormément de soleil, malgré le froid glacial. J'ai allumé le plafonnier pour que ça estompe cette curieuse image. J'espère que ça ne sera pas comme ça chez vous. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt.